effectivement, il y a une très grande admiration au Japon, notamment au ministère de l'Agriculture pour l'agriculture française. Et le salon de l'agriculture est une référence. Et le Japon, qui ne possède pas aujourd'hui ce type de grand salon, mais de petits salons organisés en fonction des races ou des régions, souhaiterait regrouper ces manifestations pour faire un salon de l'agriculture sur le modèle de celui qui est organisé en France. L'agriculture au Japon, c'est important? Alors, c'est très important du point de vue politique et social, parce que il y a beaucoup de petits exploitants, donc leur voix a été très écoutée au niveau politique. En matière de production, en revanche, la surface agricole est très petite et la productivité de beaucoup d'exploitations est très faible. Donc la production agricole n'est pas très, très importante. Elle a même tendance à diminuer pour différentes raisons, notamment l'accroissement de l'âge des agriculteurs depuis à peu près le milieu des années 80. Pouvez-vous nous rappeler qui vous êtes ? Je suis attaché pour les affaires agricoles au service économique régional en ambassade de France.